Go!
Les buts à domicile, c'est ça. T'es à 5 buts en N3, 5 à Rémy Lambert. Ouais. Bah ouais, on a plusieurs réussites collectives à domicile, donc espérons que ça vienne à l'extérieur aussi maintenant. Mmh. Ouais, puis ça, là c'est bien, ça vous met rapproche du top 5. Ouais, bah oui, ce match-là il était important. Vertu qui était 3 points devant nous, si on veut raccrocher le top 5, là c'était impératif de gagner. Ouais. Mmh. Bah, puis merci Mathieu, puis je te laisse répandre ta douche. Ouais, merci. Ouais. Bon bah Nico, bonne victoire 4 à domicile, je suppose que tu dois être content. Yes, on est content, c'est là, fait du bien. On avait entamé de bons matchs précédemment, deux matchs nuls. Voilà, on a continué à travailler à l'entraînement, on a pas lâché, on a fait un pressing jusqu'au bout. Certes, le carton rouge au début nous a fait du bien, mais on s'est pas endormi, on n'a pas lâché et on a poussé les choses. Ça va, encore vu. Ton surnom de mobilette dans les tribunes, t'es sûr quand tu débordes, ça va. Ouais, ça va, j'essaie de me dévouer au maximum pour l'équipe, de donner mon maximum à chaque match. Donc, voilà. Eh ben, merci Nico, puis félicitations. Ouais, merci. Yeah, ça marche. Cette semaine, tu avais insisté, tu voulais absolument ces 3 points-là. Tu les as, tu dois être satisfait de ton équipe et de la prestation de tes joueurs. Ouais, c'est l'objectif. On avait fait 3 matchs plutôt intéressants, mais au nombre de points, je trouvais que c'était pas suffisant. Ouais, on avait fait 2 sur 9. Ouais. Et là, l'objectif, c'était avant de faire le match de coupe, qu'on ait 5 points, qu'on ait 3 points sur ces choses faites. Voilà, l'objectif est atteint sur ce match-là. Ouais, puis dans mes 4, c'est la deuxième fois qu'on gagne 4-1, on avait battu changer 4-1, c'est le deuxième plus gros score qu'on a fait. Ouais, on a marqué des buts. Après,
forcément quand Vertu s'est retrouvé à 10, c'est plus compliqué pour eux. Mais je trouve qu'on n'a pas baissé le rythme. On continue à jouer. Je ne voulais pas qu'on tombe dans un faux rythme. C'est souvent le cas quand une équipe qui en a fait une rythme. On l'a pas fait, donc voilà. Et puis on est dans la continuité de très bons matchs qu'on a fait à Saumur. Le contenu a été très intéressant. C'est ça. Donc, c'est une belle soirée. Satisfait, c'est sa première. Prépare bien la coupe la semaine prochaine. C'est ça. Okay, bah merci Jérôme, félicitations. Merci.